Mesdames, Messieurs, bienvenue sur la télévision nationale dans le forum de discussion du programme d'action du gouvernement, dont les grandes lignes ont été rendues publiques le vendredi 16 décembre 2016 au Palais de la République. Ce forum que j'ai le plaisir d'animer avec Ozias Sounouvou est consacré au volet sport du PAG. Le sport, faut-il le rappeler, est devenu aujourd'hui un enjeu de développement et de rayonnement diplomatique pour les pays. Et qui d'autre que le ministre des Sports, le tout jeune ministre des Sports, Oswald Omeki, pour en parler. Il est notre invité. Avec lui, on va échanger essentiellement sur les réformes entreprises dans le secteur du sport sous sa houlette, mais également les grands projets qui vont mettre sur orbite le mouvement sportif national. Monsieur le ministre Omeki, bonsoir. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, bonsoir. Le plaisir est partagé. Ozias Sounouvou, un plaisir d'être à vos côtés pour conduire ce forum. Ozias, bonsoir, vous lancez le forum. Bonsoir William, c'est un grand honneur, un grand plaisir pour moi de partager avec vous ce plateau consacré au sport. Je suis pratiquement l'intrus dans la poursuite des citoyens sur ce plateau face à deux initiés du sport. Je le dis exprès parce que le broadcasting, monsieur le ministre, par le sélectionneur Patrice Talon, est tout sauf le fruit du hasard puisque votre réputation de connaisseur et d'amateur, d'aficionado du sport, notamment du foot, vous précède. Dites-nous d'entrer une question de provocation sur ce plateau. Vous n'allez pas jouer quand même au dribbleur pour feinter la question. Vous irez franco. J'irai franco. C'est vrai que le casting a plutôt été, on va dire, opportun parce que c'est le secteur que je connais le mieux. Je dis d'ailleurs parfois que je n'aurais pas été mieux à un autre portefeuille ministériel. Mais je vais jouer franco. Nous sommes face au peuple béninois. Nous avons dépassé l'étape des paroles démagogiques. Il faut parler de ce que nous avons prévu faire. Et c'est de ça que je parlerai. Alors dites-moi, question de posture ou peut-être même de goût sur le terrain de foot. William l'a confié, vous êtes un grand pratiquant de foot, même si vous n'avez pas été professionnel, vous le faites beaucoup en amateur, donc vous connaissez le milieu des sports du Bénin de l'intérieur. C'est quelle position vous aimez sur le terrain de foot, libéraux ou attaquant? Je préfère jouer milieu de terrain. Parce que c'est de là-bas qu'on construit les actions offensives et c'est également de cet endroit qu'on récupère mieux le ballon, qu'on protège mieux son camp. Oh, parlant de construire des actions offensives, revenons justement sur les grandes actions que le chef de l'État vous a confiées pour développer les sports au Bénin. Rassurez-nous, on ne vous a pas souvent entendu dans l'actualité nous annoncer de grands chantiers pour révolutionner complètement le milieu du sport au Bénin. Ce sera sans doute l'occasion au cours de cet échange de nous éclairer davantage là-dessus. Mais rassurez-nous, est-ce que réellement dans le PAG et le programme d'action gouvernementale, le sport occupe une place importante? Alors, il est vrai que le gouvernement, de façon globale, a fait l'option de ne pas faire plus de publicité qu'il n'agit. Nous avons choisi de ne pas non plus faire beaucoup de bruit autour de ce qui nous paraît essentiel. La situation du sport béninois n'est pas du tout reluisante et il n'est pas nécessaire de faire de la publicité, de faire de la propagande autour des actions que nous devons entreprendre pour le ramener déjà à niveau et ensuite le développer. Le programme d'action du gouvernement a été présenté le 16 décembre dernier. Vous avez pu entendre quelques extraits de ce que nous avons prévu de faire dans le secteur du sport. Et je veux le dire ici à tous les Béninois, le sport est au cœur du programme d'action. L'ensemble des actions que nous allons mener devra conduire à ce que les résultats de nos équipes, les exploits de nos sportifs, dans quelques années, ne relèvent plus du miracle ou du hasard, mais soient le couronnement logique des efforts que nous aurons consentis, des investissements que nous aurons faits, des réformes que nous aurons apportées et surtout de la meilleure organisation que nous pouvons donner à ce sport qui a de l'espoir parce que
le Bénin regorge de nombreux talents, ça c'est certain. Vous en parlez avec beaucoup d'émotion, on le sent, il y a beaucoup de talents. Bénin, on espère que sur ce plateau tout à l'heure, vous allez nous faire rêver les Béninois par rapport aux ambitions que vous vous attachez au développement des sports au Bénin, qu'au bout du mandat présidentiel, vous donnerez corps à ces rêves. Mais et si on parle un peu d'actualité, William? Oui, c'est important puisque on sait bien que l'actualité de votre département ministériel, c'est incontestablement cet exploit réalisé au début du mois de décembre sous la houlette du président de la République. Vous avez réussi à réunir les acteurs du football dans un cadre qui restera à jamais gravé dans la mémoire des Béninois. Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous au lendemain de cette réunification que tout le peuple béninois a saluée? Avant que vous ne répondiez, Monsieur le ministre, on va se replonger dans les images du Palais de la République. Ils ont enfin décidé de fumer le calumet de la paix. Les protagonistes de la crise qui secoue la Fédération béninoise de football ont à tour de rôle paraphé puis signé le protocole d'accord qui sonne le glas d'un bras de fer à effet désastreux pour l'univers sportif. C'est l'épilogue d'une médiation menée dans la plus grande discrétion sous l'égide du chef de l'État et pour le bonheur des amoureux du cuiron. Je voudrais, Monsieur le Président, avec votre permission, rappeler que cette situation que nous réglons aujourd'hui, nous en avons hérité, car c'est une crise qui dure depuis de très longues années et qui est entrée dans une phase très active à quelques jours de la cérémonie d'investiture du 6 avril 2016. Dès notre arrivée, Monsieur le Président, déférant à vos instructions, nous avons commencé à discuter avec les différents protagonistes et comme tout le monde ici dans cette salle a pu le savoir et le constater, cela a été une succession d'épisodes éprouvants, difficiles et parfois douloureux. Mais j'ai le plaisir de dire que nous sommes enfin arrivés au bout du tunnel. Et je veux ici reconnaître le mérite des principaux acteurs. Pour en arriver à ce résultat, des concessions ont été faites de part et d'autre. Les trois ailes du conflit fratricide ont accepté d'unir leur intelligence au sein d'un comité exécutif consensuel transitoire de 21 membres pour un mandat de 18 mois en attendant l'organisation d'une nouvelle élection. La famille du football béninois, désormais réconciliée avec elle-même, les protagonistes jurent la main sur le cœur que les termes du protocole d'accord seront scrupuleusement respectés. Monsieur le Président de la République, au nom de mon groupe, je vous rassure que nous allons respecter scrupuleusement ce que nous venons de signer devant vous et devant le peuple béninois tout entier. Ce soir, nous pensons, avec l'intervention de M. le Président de la République, que nous venons d'enterrer les démons du football au Bénin. Et nous l'espérons ardemment. Quand les enfants d'une même famille se battent et le père de famille se lève pour dire « Je clôt, nous avons l'obligation de mettre la balle à terre. » C'est ce que nous avons essayé de faire, mais ça n'a pas été facile. Je pense que nous sommes dans le nouveau départ et nous prenons l'engagement devant tout le peuple béninois d'accompagner le gouvernement pour qu'enfin le nom du Bénin puisse rayonner. Je peux vous assurer que cette nouvelle équipe qui a été mise en place sous votre égide, je vais la conduire en bon père de famille. Et je peux vous assurer que dès qu'il y aurait des petits soucis, je n'hésiterai pas à faire appel à la haute autorité que vous incarnez afin que nous puissions débloquer et aller de l'avant. En recevant l'ensemble des acteurs du sport roi à son cabinet, le chef de l'État entend sonner le glas d'un conflit qui a longtemps plongé le Bénin dans le peloton de queue des nations qui caracolent sur l'estrade du sport roi. Ce qui a divisé les dirigeants du football béninois a un peu duré. Mais nous avons réussi, vous avez réussi à transcender tout cela, à vous asseoir autour d'une même table, certes avec notre implication, notre exhortation, mais vous avez réussi
à enterrer l'âge de guerre et à signer ce soir et ce depuis hier l'acte de renaissance de notre football. La chose la plus importante à rechercher, à trouver, c'est la volonté, l'organisation, le sérieux, la discipline. Si nous nous donnons ces atouts à partir d'aujourd'hui, le foot béninois réussira à enlever des trophées au plan régional, mais mondial. Je considère que désormais, nous pouvons nous acheminer vers des victoires, des conquêtes et des trophées. L'État, à travers le gouvernement, la nation béninoise entière, à travers le gouvernement, mettra en œuvre tout. Nous avons une politique ambitieuse en la matière. Nous espérons que les dirigeants du football seront nos partenaires de tous les jours. L'authentification de ce protocole d'accord qui offre de nouvelles perspectives à l'univers du football béninois a été conjointement scellé par le garde des Sceaux et le ministre en charge des sports. C'est dans une ambiance de gaieté que s'est refermée cette rencontre dont les effets induits seront inscrits dans les annales de l'histoire footballistique au Bénin. Alors, monsieur le ministre, c'est juste pour nous rafraîchir la mémoire, 3 mois après, disons. Où en sommes-nous ? 3 mois après, nous en sommes au début de la mise en œuvre de ce qui a été signé. Je voudrais rappeler que ce comité consensuel est issu donc de la réconciliation de ce qui s'appelait les trois camps en conflit. C'est un comité de 21 membres qui est composé des représentants de tous les camps. Et nous sommes heureux qu'au lendemain de cet acte de signature sous la présidence du chef de l'État, les acteurs eux-mêmes aient commencé à s'engager pour que définitivement nous tournions dos au conflit. C'est vrai que nous avons toujours un petit besoin de réconcilier les uns et les autres de façon effective. Ça nous a pris des mois pour en arriver là. Vous savez très bien que c'est une situation qui dure depuis de très longues années. Mais je veux une fois encore reconnaître que les acteurs ont fait preuve d'humilité, que la plupart d'entre eux, au bout de quelques mois, quelques années de conflit, ont compris la nécessité de fumer le calumet de la paix et qu'à ce jour, nous nous acheminons très très sûrement vers une reprise en main du destin du football béninois pour le bonheur de nos sportifs et de tout le peuple. Alors, monsieur le ministre, pour les férus du foot, ils s'attendent que dans les semaines, peut-être voire les mois à venir, qu'on renoue avec le football sur le terrain, comme le fera l'équipe nationale dans les prochains jours. Oui, c'est effectif. Les Béninois attendent la reprise du championnat, qui pour nous aussi doit marquer définitivement le début de la nouvelle ère. Vous savez que dans l'ambiance conflictuelle qu'il y avait il y a quelques mois avant la réconciliation, le championnat aurait pu se jouer avec ce qui s'appelle les partisans d'un camp. Et donc, nous avons estimé qu'aujourd'hui, la meilleure façon de matérialiser cet accord que nous avons signé serait que le prochain championnat qui démarre dans quelques semaines soit conduit, joué, animé par l'ensemble des dirigeants, l'ensemble des clubs et que cela marque définitivement la réconciliation de la famille. C'est votre souhait, est-ce que tel que les choses se déroulent, s'organisent au niveau de cette fédération-là, vous avez l'assurance que ça va se passer comme ça? Oui, j'en ai la pleine assurance, je n'ai pas le moindre doute. Vous savez, il faut donner le temps aux gens de penser les plaies, nous venons de très loin. Aujourd'hui, ils acceptent de s'asseoir ensemble, le comité existe. Nous allons avoir des réunions pour lancer un certain nombre de travaux que nous avons retenus de mettre en œuvre. Et je veux dire ici, franchement, que l'ensemble des acteurs a compris aujourd'hui qu'il faut aller de l'avant. Et je crois qu'ils ne renonceront pas à l'engagement qu'ils ont pris devant le chef de l'État, devant le peuple béninois. Les Béninois nous ont fait l'honneur de nous rendre, on va dire, de nous donner les lauriers de cette réconciliation qu'il y a eu. Mais je veux profiter de cette occasion pour dire que ce n'est ni la victoire d'un ministre des Sports, ni celle du chef de l'État, ni même celle du gouvernement. C'est d'abord les acteurs qui ont accepté de se mettre ensemble. C'est ensuite un certain nombre d'acteurs de l'ombre que je veux saluer ici, qui ont contribué à apaiser les uns et les autres. Et c'est enfin tous les sportifs béninois, tout le peuple
qui doit avoir le mérite de cette réconciliation. Vous faites preuve de beaucoup d'humilité, y compris pour votre gouvernement, on le comprend, mais il n'est quand même pas, il n'échappe à personne que des tentatives de ce genre ont échoué par le passé, par votre touche, votre marque, jusque-là, 3 mois, ça tient. La question qu'on s'est posée aussi longtemps, c'était de savoir pourquoi pas une dissolution carrément, remettre les cartes à plat. Peut-être que vous n'avez pas voulu aller en conflit avec la FIFA, bon, elle-même qui ne s'illustre pas de manière si brillante que cela. On espère. Ce que les Béninois attendent surtout, c'est ce que le chef d'État a annoncé. Et c'est ce que vraiment tous les amoureux du foot qui engloutit beaucoup d'argent de données publiques ne produit pas de grands résultats. On attend de voir des trophées et réellement gagnés par cette équipe pour franchement donner de la fierté aux Béninois. Qu'est-ce qui va se passer en février prochain au bout des 18 mois de transition? Vous savez, il faut d'abord savoir que les fédérations sportives, notamment la Fédération béninoise de football, est une association autonome et que les liens, les interactions que le ministère des Sports et le gouvernement peut avoir avec elle en tant que fédération sont définies et encadrées par les tests. Il faut ensuite savoir que dans le cas de la Fédération béninoise de football, il y a une double juridiction. Il y a la juridiction, on va dire, territoriale, sur laquelle le Bénin intervient puisqu'ils reçoivent délégation du pouvoir béninois à travers le ministère des Sports pour exercer des activités d'animation du football. Mais il y a également que nous appartenons à une famille qui est donc la CAF, la FIFA, surtout la FIFA, et que la certification d'une fédération dépend aussi de cet acteur majeur. Et donc, j'ai entendu certains de nos compatriotes opter pour des solutions qui, à mon avis, ne sont pas des plus idoines. Certains ont dit il faut balayer tout le monde, il faut les exclure. Ce n'est pas techniquement faisable. Il faut trouver la voie de la conciliation, concilier notre besoin d'avoir des vrais acteurs qui aiment le football, qui veulent se sacrifier pour la jeunesse et qui acceptent de le faire, et en même temps la caution de la FIFA, puisque nous sommes dans une communauté, puisqu'il faut jouer avec d'autres pays, puisqu'il faut participer aux compétitions continentales et internationales. Alors, à l'horizon février prochain, ce qui va se passer, à l'horizon février prochain, les tests de la fédération auront été relus, de sorte à lever tous les éléments, tous les aspects qui empêchaient les uns et les autres d'exprimer clairement leur amour pour le football. Vous savez, il y a quelques mois, quelques années, il n'était pas permis à certains de se porter candidat au comité exécutif. Nous avons retenu que ce point-là soit levé. Nous avons également retenu que désormais, la façon dont nous organisons le football même au Bénin, dans toutes les divisions, que cela soit revu également. Nous avons prévu que à l'issue de la période de transition, un comité exécutif soit à nouveau installé, que ce comité soit vraiment l'émanation de la volonté des acteurs du milieu du football. Et enfin, nous avons prévu que la question même du financement du sport entre l'État central, le secteur privé et les fédérations soit étudiée pour que désormais les fédérations reçoivent de l'État, aussi bien du secteur privé également, de quoi animer leurs différentes activités. Voilà. Alors, en attendant, Monsieur le ministre, vous avez réussi quand même à faire exister, à faire flotter le drapeau béninois sur la scène internationale. La journée FIFA, c'est pour le 24 mars. Le Bénin sera sur le pont face à la Mauritanie très rapidement. Dites-nous quelles sont les dispositions qui sont prises pour que le match se déroule dans de bonnes conditions. Alors déjà, il faut noter que le Bénin commence à reprendre de bonnes habitudes. Il y a quelques années, quelques mois, nous étions absents de ce genre de rendez-vous et aujourd'hui, nous recommençons à prendre des bonnes habitudes. Il y a eu un tirage au sort qui nous place au niveau des seniors dans la poule de la Gambie, de l'Algérie et du Togo. Nous considérons que le niveau actuel de notre équipe nous permet de jouer, de briguer nos chances de nous qualifier s'il y a la paix au niveau des dirigeants, si tout est en phase. Et donc, nous avons dit qu'au-delà de l'aspect politique organisationnel sur lequel nous sommes en train de régler les derniers problèmes, il y a l'aspect sportif qui consiste à préparer l'équipe de façon convenable. Et donc nous avons décidé pour cette journée FIFA avec les responsables du comité exécutif consensuel transitoire de mettre notre équipe à l'essai. Donc nous jouons contre la Mauritanie à Nouakchott. Les dispositions sont prises, l'équipe sera transportée par avion. Chaque joueur partira de son lieu de résidence actuelle et rejoindra Nouakchott pour un match, je pense le 24 mars. Et puis,
Il ne faut pas oublier que nous avons aussi le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, qui est consacré aux joueurs évoluant dans les championnats locaux. Nous sommes également à ce niveau-là en train de nous préparer. Et le Bénin, l'équipe locale du Bénin, qui est en regroupement actuellement à Misrété, se rendra en Égypte pour jouer contre l'équipe locale nationale de l'Égypte, donc pour commencer à se mettre en jambes. Je ne sais pas, Oulem, oui, allez-y. Si oui, on s'aperçoit, Ouzias Sounouvou, que ça bouge beaucoup. Effectivement, ça fait un bail que le Bénin n'a plus connu cela. Il n'y a pas de victoire probante sans préparation, sans ces dates FIFA qu'il faut jouer. On est servi, et là, doublement, on peut dire chapeau à M. le ministre et son équipe. Mais cela met en filigrane un des points importants des propos du ministre dès qu'il a pris fonction. Eh bien, il a dit qu'il met son mandat sous l'égalité des chances pour toutes les fédérations. Et aujourd'hui, on s'aperçoit plus qu'hier que, effectivement, les autres sports sont en train de creuser leur sillon dans l'espace sportif national. C'est le cas de la pétanque qui a bénéficié de son accompagnement à Madagascar et qui est revenu avec des lauriers. Avec votre permission, voilà, on repart du côté de la régie pour suivre cet autre élément témoin et on revient pour en discuter. C'est un héros que les écureuils du Bénin, fraîchement couronnés vice-champions du monde de pétanque à Madagascar, sont accueillis à l'aéroport international Cardinal Bernadette Ganti. Head d'honneur, congratulations des membres du cabinet du ministre des Sports et du comité d'accueil composé du Conseil national des supporters qui a sonné la mobilisation des siens et des inconditionnels des sports boules. Tous sont venus célébrer la performance historique des écureuils boulistes. Et puis, c'est la grosse surprise avec le don de ces 5 motos neuves à l'entraîneur Guy Tronou et ses 4 joueurs par le vice-président de la Fédération Béninoise de Pétanque, l'honorable Yaya Garba, qui réalise par ce geste une promesse faite à l'équipe avant son départ pour Madagascar si elle parvenait en demi-finale. La suite, c'est le tour d'honneur des nouveaux vice-champions du monde qui parcourent les principales artères de la ville de Cotonou à bord d'un car podium spécialement aménagé pour eux. Au stade de l'amitié, général Mathieu Kérékou, un break est observé pour communier avec le public. Les héros de Madagascar finissent leur course au ministère des Sports où ils ont eu droit, de la part du ministre Oswald Lomeki et du président du comité national olympique et sportif béninois, une réception à la hauteur de leur espoir. Et oui, monsieur le ministre, des images qui nous replongent dans cette ferveur du retour que vous avez organisé comme un chef d'orchestre, puisque on a vu tout votre cabinet se mobiliser pour ce bain de foule, on peut le dire. Et là, cela met en relief ce que vous avez évoqué. Mettre toutes les chances au même niveau pour toutes les fédérations. Et aujourd'hui, il n'y a pas que la pétanque qui revient d'un master du côté de la France. Il y a également la sélection de basketball qui se prépare pour l'Afro-Basket. Il y a le handball avec le Challenge Trophy, c'est autant de challenges, autant de fronts qui vous attendent, monsieur le ministre. Oui, c'est effectif. Peut-être que nous ne faisons pas assez de publicité autour des exploits de nos sportifs et nous avons décidé d'y remédier. J'organiserai désormais un gala de récompense des sportifs chaque année, un gala mieux organisé avec des récompenses mieux adressées. Et puis, nous avons décidé également de faire en sorte que désormais, le moindre exploit de nos sportifs soit célébré de manière digne. Vous avez vu ces boulistes qui ont fait la fierté de notre pays, vice-champion du monde de pétanque, ça n'arrive pas tous les jours et je veux une fois encore les féliciter. Le gouvernement et le chef de l'État ont décidé de les décorer. La communication a été passée en Conseil des ministres. La cérémonie va s'organiser donc dans quelques jours. Et au-delà de ça, vous savez, au titre de l'année 2016, nous avons 13 fédérations sportives qui ont ramené près de 86 médailles. Et pourtant, on n'en parle pas assez. Et donc, nous avons dit qu'une autre façon de promouvoir notre sport est également de mettre un coup de projecteur sur les exploits qui sont réalisés par nos talentueux sportifs
Et je peux vous dire que depuis que je suis ministre des Sports, je crois davantage que nous avons la capacité de révéler notre pays au monde entier à travers le sport. Oui, allez-y. 13 fédérations qui vont être primées donc, au cours d'une soirée spéciale. Et aussi tous les autres qui n'ont pas pu avoir des médailles, mais qui ont fait notre fierté. N'oubliez pas que pour la première fois aux Jeux Olympiques, nous avons passé la demi-finale des 800 mètres avec Noélie Yarigo. Alors, nous sommes vraiment fiers de ce qui se fait en ce moment. Nous pensons qu'on peut faire mieux, mais nous allons désormais les célébrer. Et l'année 2017 sera également pour nous, nous l'espérons, une année de belles victoires. En tout cas, ce n'est que le début. Et on espère véritablement, par rapport à la touche de réforme que vous voulez imprimer au monde des sports au Bénin, que la célébration des mérites de nos athlètes, de nos sportifs, ne se fera véritablement plus comme avant, où certaines cérémonies de récompense se voyaient mieux récompensées en organisation que les athlètes, les bénéficiaires eux-mêmes. Un drôle de paradoxe. Mais plaie d'argent, c'est vrai, n'est pas mortelle, mais elle ne favorise pas l'éclosion du talent. On espère qu'en amont, comme vous l'avez fait pour les boulistes, vous le ferez également d'égale façon pour toutes les fédérations, en amont déjà, dans leur préparation. Oui, tout à fait. J'ai dit la première fois que je me suis exprimé en tant que ministre des Sports que mon mandat sera celui de l'égalité des chances à toutes les fédérations. Et je crois que si vous interrogez les sportifs béninois, ils pourront vous confirmer ce que j'ai dit. Effectivement, il y a une tradition qui voudrait que certains sports soient privilégiés par rapport à d'autres, mais il faut faire en fonction de l'existant, faire le point du potentiel de chaque pays et miser les ressources en fonction du potentiel. N'oubliez pas qu'il y a quelques années, le Bénin était un grand pays de boxe, que nous étions souvent champions d'Afrique. N'oubliez pas que dans les arts martiaux, par exemple, nous avons de très grandes, références. Et puis, on a parlé tout à l'heure du Challenge Trophy. Effectivement, le Bénin a été double champion, homme et dame, au handball, et se prépare à aborder la phase continentale, à l'issue de laquelle il y a en vue une qualification pour la Coupe du Monde. Il y a aussi les autres fédérations, comme je l'ai dit déjà, qui ont fait du résultat. C'est vrai, pour célébrer les exploits, il faut investir en amont. Tout à fait. Il faut bien s'organiser. Et je crois que les sportifs béninois pourront vous confirmer qu'aujourd'hui, quand il y a une expédition sérieuse, nous nous préparons. L'Afro-Basket, en ce moment, nous nous préparons à accueillir la phase de zone. Nous sommes tous les jours avec l'équipe, avec les dirigeants, avec la fédération. Nous souhaitons vraiment que les joueurs soient mis dans les meilleures conditions. En tout cas, nous nous donnerons les moyens d'y arriver. Nous investirons ce qu'il faut. Mais disons que le reste se fera sur le terrain. Le soutien en amont se fera dans tous les compartiments. Il y a la préparation, la formation. Bon, ça, c'est, vous reviendrez sans doute à travers vos réformes sur ce que vous entrevoyez de faire au niveau des académies. Mais pour les expéditions, par exemple, est-ce que les crises liées aux attributions de primes aux joueurs qui vivent ce genre de stress, c'est pas évident d'attendre de grandes performances et d'autres petits, enfin, c'est peut-être sans doute pas de petits détails, des chapitres aussi importants que ceux-là. Est-ce que c'est pris en compte, par exemple, pour les écureuils? On revient là-dessus. Vous savez, on le veuille ou pas, le foot, c'est le sport roi. Et vous êtes très attendu sur la prochaine expédition des écureuils. Non, non, je veux rassurer les uns et les autres. Nous prenons toutes les dispositions. Ce n'est pas seulement pour les footballeurs, c'est pour l'ensemble. Mais il faut savoir aussi qu'une fois encore, nous venons de loin. Pendant longtemps, ce département ministériel a été classé au dernier rang. Pendant longtemps, on a pris le sport comme étant de la distraction. Et puis, bon, on a voulu avoir des résultats sans bien s'organiser, sans investir. Et les acteurs eux-mêmes n'ont pas toujours facilité la tâche aux gouvernants, il faut le reconnaître, parce que les subventions de l'État ne sont pas non plus destinées à couvrir l'ensemble des besoins des fédérations. Aujourd'hui, je suis rentré dans un partenariat avec eux, nous parlons clairement. J'ai dit que nous mettrons le maximum parce que nous croyons au potentiel de notre sport, mais en même temps, nous devons structurer le financement du secteur privé de sorte à ce que la subvention de l'État et le financement du secteur privé puissent permettre aux fédérations de dérouler leur programme de façon convenable. Nous avons effectivement promis, et nous allons le faire, d'augmenter les primes des joueurs. Vous savez, au Bénin, tel que le sport était organisé, c'était à l'avantage de tout le monde, sauf des sportifs eux-mêmes. Vous avez parlé des récompenses qui sont organisées où parfois les montants engloutis dans l'organisation de la cérémonie dépassent les montants que l'on octroie aux sportifs eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai interdit récemment qu'un événement qui se passait sous mon ministère soit tenu, parce que j'ai voulu réformer cet événement
en faire vraiment un événement au cours duquel les sportifs sont privilégiés et reçoivent l'essentiel des ressources. Et donc, pour les questions de primes, pour les questions de conditions d'hébergement, de réparation, nous allons faire le maximum. Nous sommes déjà en train de le faire. Ce n'est pas toujours facile, mais aujourd'hui, les sportifs savent qu'ils sont la priorité. Et comme je le dis, oui, il faut organiser le sport, mais il faut d'abord des sportifs bien traités, en bonne condition, pour avoir du résultat. Alors, Monsieur le ministre, on s'aperçoit au travers de ces différents sujets que nous avons abordés jusque-là que c'est la preuve que vous prenez à cœur la place du sport dans le programme d'action du gouvernement. Et très tôt, en prenant les rênes de ce ministère, vous êtes lancé dans des réformes majeures qui se déclinent sur plusieurs axes déjà. Oui, il y a les réformes et puis il y a les projets. Parlant des réformes, il faut dire que d'abord, de façon traditionnelle, les subventions étaient octroyées aux fédérations pratiquement en fin d'année, alors que ces subventions sont supposées financer les activités de l'année. Au cours d'année. En cours. Donc, nous avons déjà retenu que les subventions désormais seront données au plus tard pendant le premier trimestre, de sorte à ce que les fédérations puissent avoir de quoi fonctionner. Mais nous avons également dit qu'il ne suffit pas de donner des subventions comme si on jetait de l'argent. Et donc, nous avons retenu de nous entendre avec les fédérations sur leur plan d'action et nous accorder sur ce que nous finançons. Vous avez des fédérations qui, aujourd'hui, proposent des actions, des voyages à l'autre bout du monde, alors que nous ne trouvons pas que le niveau de la discipline au plan national le nécessite. Donc, nous avons demandé à l'ensemble des fédérations de nous produire leur programme d'activité. La plupart des fédérations ont déposé. Nous commençons à faire les réunions d'arbitrage avec l'ensemble des fédérations. Et c'est sur cette base que, de façon claire, nous allons leur dire ce que nous finançons et à quelle hauteur. Ensuite, il y a que, par le passé, les fédérations recevaient les ressources, le financement du ministère, sous forme de chèques du Trésor et devaient se débrouiller pour aller récupérer l'argent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y avait ce qui s'appelait au ministère des Sports le couloir de la mort. Il y avait une pratique qui consistait pour les responsables de fédération à donner une partie de la subvention au ministre ou à ses collaborateurs avant d'en bénéficier. Nous avons mis fin à tout cela depuis 2016 déjà. Les subventions ont été données au vu et au su de tout le monde. Ils ont reçu des chèques qu'ils ont présentés au ministère des Sports. Ils ont reçu l'argent en espèces dans toute transparence. Et ça, c'est déjà pour nous une réforme majeure. Je pense que les sportifs même en ont témoigné. Et au-delà de cela, il y a également la réforme qui concerne l'éligibilité même des fédérations. Vous savez, aujourd'hui, je m'excuse de le dire, certains de nos compatriotes, pour deux ou trois raisons, considèrent que, bon, on peut se mettre dans le sport, on devient une fédération, alors qu'on n'a même pas respecté les différentes étapes. Les tests disent que, d'abord, il y a une attestation de conformité que l'on reçoit du ministère des Sports quand on a fait des tests statutaire de la fédération. Ensuite, qu'il y a un agrément et enfin une délégation de pouvoir. Cela n'est pas toujours appliqué, nous allons l'appliquer à partir de cette année. Mais ça va pas être juste des démarches formelles, c'est sur la base de critères objectifs. Oui, ça ce sont déjà les étapes. Les critères aujourd'hui pour nous, c'est très clair, si vous êtes fédération, vous devez nous déclarer le nombre de clubs affiliés, le nombre de personnes qui sont dans ces clubs et qui sont licenciées à la fédération. Vous devez avoir un siège géographique. Nous n'allons plus financer des fédérations qui se trouvent dans le sac du président et du trésorier. Vous devez avoir un programme d'activité. Et pour être éligible aux subventions d'une année N, vous devez avoir produit le rapport d'activité de l'année N-1. Et surtout, vous devez nous justifier les ressources que vous avez utilisées et comment vous les avez utilisées. Ça, c'est absolument important pour nous parce que nous n'allons pas continuer à jeter de l'argent en disant que nous investissons dans le sport sans avoir des résultats. Nous allons, comme nous l'avons dit, faire des investissements massifs dans le sport, mais nous voulons le faire dans la transparence, avec méthode. Avec des gens sérieux. Avec des gens sérieux. Il y a un autre critère qui consiste également en le respect absolu, scrupuleux des tests. Nous ne financerons plus de fédération qui n'ait pas respecté ses propres tests. Quand il faut faire les élections, les assemblées générales, il faut les respecter et il faut que l'alternance à la tête des fédérations se fasse de façon régulière, sinon nous n'allons plus les accompagner. Et enfin, une réforme majeure que nous avons introduite, que j'annonce ici sur ce plateau, désormais, aucune fédération n'aura à payer un franc pour disposer des infrastructures sportives qui sont sur l'ensemble du territoire national. Voilà. C'est énorme comme annonce, Monsieur le ministre, quand on sait justement les difficultés que
les fédérations ont pour accéder à ces infrastructures. On pense notamment au palais des sports, au hall des arts pour ceux qui pratiquent les sports en salle. Alors, monsieur le ministre, cela nous permet d'attaquer les grands projets de votre département ministériel, puisque on parle là tantôt de l'accès aux infrastructures, mais il n'y a pas que les infrastructures qui sont dans votre portefeuille, il y a bien d'autres axes qui sont dans le viseur du gouvernement. Oui, effectivement, nous avons fait l'état des lieux de notre sport national et une fois encore, je veux confirmer à tous les Béninois que les talents existent, mais ces talents se trouvent dans nos communes. L'organisation actuelle du sport et même le cadre réglementaire ne permettent pas l'éclosion de ces talents. Or, nous avons dit que nous voulons révéler le Bénin et donc nous voulons révéler les talents sportifs qui se trouvent à l'intérieur de nos communes. Et je peux confirmer une fois encore que dans plusieurs disciplines sportives, il y a vraiment du potentiel. Alors, nous avons dit qu'il faut retourner à la base. Retourner à la base d'abord à travers un premier projet que nous avons appelé le projet d'institution de classes sportives. Il s'agira en termes clairs d'instituer au Bénin 80 classes sportives réparties sur l'ensemble du territoire national, dans 76 communes à l'exception de Cotonou et Cotonou divisé en 4 zones. Ces classes sportives seront instituées au football, basketball, handball, athlétisme et dans les arts martiaux. Et ces classes vont consister à regrouper par affinité, par intérêt pour ces disciplines sportives que je viens de citer, les enfants qui sont âgés donc de 9, 10 à 16, 17 ans, inscrits de la 6e en terminale, et à les encadrer, à les entraîner, à les initier à la pratique des sports selon l'intérêt que les uns et les autres manifestent pour tel ou tel sport. Ce programme va consister également pour nous à recruter un certain nombre d'encadreurs, puisque la base va être les cours d'EPS habituels, mais ces enfants vont entrer dans un programme spécial où ils vont avoir 8 heures d'entraînement par semaine. Nous avons déjà décrété que les vendredis après-midi seraient consacrés au sport, 3 heures de temps, et puis nous avons les mercredis, nous avons les samedis et les dimanches. La programmation sera connue selon chaque zone, mais en moyenne, chaque classe sportive aura 8 heures par semaine de sport et les enfants, une fois encore regroupés sur une base géographique et par discipline. Et nous allons déployer pour l'ensemble donc, de ces classes sportives 400 encadreurs que nous allons recruter parmi les diplômés de l'INGEPS qui seront à la maison, parmi les gens qui ont des diplômes d'encadreurs dans les fédérations sportives reconnues par le ministère et qui n'exercent pas, et puis parmi toute autre personne ayant des qualifications réelles avérées pour encadrer les jeunes sportifs à la base, parce que nous voulons aussi que la mise en œuvre de notre programme ait un volet social, un volet économique, un volet création d'emplois. Et donc, ce programme qui démarre parce que nous allons lancer le recrutement des encadreurs en question à partir de lundi cette semaine. Ce programme qui démarre effectivement... Déjà, lundi, nous lançons le recrutement. Ce programme qui démarre déjà pourra être visible dans quelques jours. Dites-moi, quelques questions de curiosité sur ces classes scolaires révélatrices des talents à la base. Vous avez annoncé 3 heures de cours de sport les vendredis, après-midi, c'est bien cela. Tout à fait. Est-ce que ça ne va pas impacter sur le temps scolaire? Donc, ça demande un réaménagement spécifique pour ceux-là qui seront intéressés par ces classes scolaires. Donc, vous êtes allé sans doute en négociation avec l'éducation nationale. Oui, il y a même déjà eu un acte qu'un de mes collègues en charge de l'éducation a pris. Nous allons le formaliser davantage pour dire que les vendredis après-midi, à partir de 16-17 heures, les enfants seraient libérés pour soit faire de la culture, ça concerne également ceux qui ont du talent culturel, ou bien faire du sport. Et donc, nous rattrapons cette tranche horaire que nous ajoutons aux tranches du mercredi soir et du week-end pour pouvoir avoir les 8 heures réglementaires pour l'encadrement des enfants. Et je veux profiter pour dire aux parents que c'est un programme intéressant. Cela n'agit en rien sur le circuit, le cursus académique de votre enfant. Bien au contraire, ça lui permet de s'épanouir. Ça existe dans les autres pays. Le gouvernement va le faire de façon très sérieuse, très organisée. Les enfants vont être détectés, proposés. On va faire des présélections. Les classes vont être constituées, les listes publiées. On va écrire aux parents pour les informer que leurs enfants sont dans un programme de classe sportive. Et une fois encore, l'État veillera à ce que cela permette l'éclosion des talents, mais en même temps, améliore les résultats au niveau académique. Alors, monsieur le ministre, il n'y a pas que les classes sportives. Il y a toujours au cœur du programme d'action du gouvernement concernant le sport
les associations sportives. Effectivement, le projet classe sportive, qui est le premier projet, est donc celui qui est configuré, formaté pour le milieu scolaire, une fois encore de la sixième en terminale. Il y a un autre projet qui est d'une envergure aussi importante, qui est le projet de création de 93 associations sportives communales. Ces associations sportives seront créées, donc, comme je l'ai dit, sur 93 zones géographiques, à savoir 76 communes, les 13 arrondissements de Cotonou à cause de la densité. Chaque arrondissement de Cotonou est érigé en commune et les 4 nouvelles universités du Bénin. Alors, il faut comprendre que pour nous, ce projet est plus ou moins le plus important parce qu'à ce niveau, il ne s'agit plus d'initiation à la pratique du sport, il s'agit de prendre des talents qui commencent déjà à naître et à les transformer en grands joueurs. À se révéler, n'est pas peur du mot. À révéler les talents, effectivement. Et donc, dans chaque commune, nous allons avoir des équipes dans deux catégories d'âge, les plus de 20 ans et les moins de 20 ans. L'idée des plus de 20 ans est de faire en sorte que ceux qui sont à l'intérieur de nos communes, qui ont du talent dans les différents sports, puissent l'exprimer et surtout de là participer au championnat d'élite ou bien même partir à l'étranger pour faire carrière professionnelle. L'idée des moins de 20 ans est de préparer la relève. Dans cette catégorie, nous aurons ceux qui pourront être nos juniors et nos cadets de demain. Et ces associations sportives vont être conduites en accord avec l'ensemble des mairies. Nous avons déjà rencontré les maires à travers la NCB et les 12 préfets des départements à qui nous avons expliqué le modus operandi, le processus de mise en œuvre. Nous avons fait des tests, des statuts types de ce genre d'association parce que ça n'existait pas forcément sous la forme que nous voulons faire aujourd'hui au Bénin, que nous avons soumis à l'appréciation donc de ces maires. Nous avons bientôt une séance de validation et ces associations sportives vont être donc créées statutairement, juridiquement, à partir de la validation par le conseil communal de ce que nous avons proposé comme test. Pour nous, de fait, le maire et son conseil sont le bureau exécutif qui dirige l'équipe. Alors, ces équipes vont être constituées maintenant à travers un processus de présélection. Nous allons lancer des tournois dans les arrondissements et à l'issue de ces tournois, une équipe technique composée de celui qui doit être l'encadreur de l'équipe, de celui qui est le responsable sportif de la mairie, de celui qui est le délégué que nous mettons au niveau de la direction départementale, va procéder à la présélection des talents qui vont constituer les différentes équipes communales. Je voudrais préciser que pour ce programme, nous avons ciblé 5 disciplines. Le football, le handball, le basketball, l'athlétisme et nous avons laissé accessoirement par moment le volleyball ou bien une autre discipline. Nous avons fait comme ça parce qu'il est possible que d'une commune à l'autre, nous ayons du potentiel, par exemple, pour la boxe, pour le karaté, pour le volley, pour d'autres disciplines qui ne sont pas formellement structurées dans ce programme. Et pour insister sur un élément important, nous ne souhaitons pas que ce programme soit perçu comme un programme politique. Et donc, peut-être un concurrent des associations existantes déjà. Non, les associations existantes sont déjà engagées dans les championnats d'élite. Donc, il n'y a pas de concurrence. Bien au contraire, nous voulons créer de l'émulation. Vous voyez aujourd'hui, quand vous faites le tour du pays, les championnats que nous organisons au stade reçoivent moins d'engouement que les compétitions qui s'organisent à l'intérieur des communes. Oui, c'est un fait, monsieur le ministre. Oui. Et aussi, quand vous observez la qualité du jeu, vous vous rendez compte qu'à l'intérieur de nos communes, le niveau est parfois plus élevé parce que les gens ont l'habitude de jouer ensemble, il y a de la cohésion et puis il y a du potentiel. Notre jeunesse a besoin également d'opportunités. Nous avons parlé tout à l'heure de la dimension sociale et économique du programme. Il n'est pas imaginable pour un pays comme le nôtre de déployer un programme d'action sans que dans l'ensemble des secteurs, il n'y ait de la création d'emplois, qu'il n'y ait de l'opportunité. Ce programme pour nous, ça va être par exemple 744 encadreurs. Justement, j'allais vous demander où est-ce que vous les trouvez ? Sont-ils déjà formés ? Est-ce que l'expertise existe déjà ? Il y a dans notre pays une expertise qui n'est pas connue. Qui est inexploitée. Qui est inexploitée. Vous savez par exemple que les fédérations béninoises ont en leur sein des experts qui forment d'autres personnes au plan international. Des instructeurs. Des instructeurs que personne n'utilise au Bénin. Et mieux, il y a des jeunes béninois diplômés de l'INGEPS, anciens joueurs, d'autres qui ont fait d'autres écoles, d'autres centres de formation, qui ont des petits certificats quand même, ou d'autres qui ont des vrais diplômes d'entraîneur, certains ont même fait à l'étranger, qui aujourd'hui sont connus, répertoriés auprès des fédérations, mais qui n'exercent pas parce que les fédérations n'ont pas pu développer le sport à la base.
Et nous avons dit, pour toutes ces personnes-là, pour tous ceux qui ont une formation d'animateur sportif et qui sont à la maison, nous allons leur offrir une opportunité d'emploi. Et donc, ces emplois seront rémunérés, ces encadreurs seront déployés. Nous avons mis sur la fiche d'inscription les choix que chacun fait, quel programme et dans quelle zone géographique on souhaite servir. Est-ce que c'est dans telle ou telle commune de notre pays? Et puis, nous allons nous occuper de mettre à disposition les équipements pour que, de façon claire et bien organisée, nos associations sportives communales, dans les différentes disciplines, puissent commencer par exister. C'est vous qui payez ces emplois créés? Oui, c'est nous qui les payons. Concurremment avec les mairies? C'est nous qui les payons dans un premier temps. C'est nous qui les payons. Nous souhaitons que le programme soit viable. Nous connaissons le niveau de ressources de nos municipalités. Nous allons non seulement prendre en charge la mise à disposition des équipements, nous allons payer les encadreurs que nous allons déployer, nous allons donner de quoi fonctionner aux équipes, ce sera quelque chose de symbolique, mais nous allons faire en sorte que les mairies soient au cœur de l'administration de ces équipes. Il leur est permis d'investir des ressources pour accompagner leurs équipes, il leur est permis de recevoir du sponsoring de telle ou telle bonne volonté, il leur est même permis de s'engager dans les championnats d'élite s'ils le souhaitent. Si l'association sportive d'une commune X en handball, dame, considère qu'elle a les moyens d'aller faire le championnat de deuxième division, elle est totalement libre de le faire, mais ce ne sera pas avec nos ressources. Nos ressources serviront à détecter les talents, à les organiser, à les former. Il y aura des entraînements. Belle question. À les former. À les former. Où? Dans les communes. Oui, dans quelle structure? Dans les académies de formation? Non. En réalité, toutes ces équipes qui seront constituées vont être dans les communes, donc sur place. C'est ça. Et les encadreurs que nous allons déployer vont s'occuper sur la base d'un programme que nous avons déjà, que nous allons valider avec les encadreurs, vont être formés de façon harmonieuse et sans discrimination sur l'ensemble du territoire. Vous savez, quand on veut former une équipe pour faire une compétition qui est organisée par un politicien ou un donateur, un généreux sponsor, c'est différent de dire « nous avons du talent dans nos communes, nous voulons construire une génération de sportifs et préparer plusieurs autres ». La formation va être rigoureuse, nous n'allons pas nous amuser. Il faut que les populations comprennent que ce n'est pas de l'amusement. L'État ne veut pas jeter ses ressources. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la création de l'équipe est une étape juridique, administrative, validation des statuts. La constitution de l'équipe est une autre. Nous n'allons même pas laisser un maire décider de choisir lui-même les joueurs. Nous ne voulons pas politiser l'opération. Nous voulons donner les mêmes chances à tous les Béninois qui ont du potentiel dans les disciplines sportives. Et donc, nous allons faire une sélection rigoureuse et les équipes vont être constituées. L'encadrement va se faire par des formateurs que nous avons nous-mêmes validés. Il est possible qu'un fils d'une commune qui déjà prend du plaisir à encadrer l'équipe communale, soit retenu. Mais en ce moment, il faut qu'il nous prouve qu'il a la capacité de le faire. Donc, nous n'allons pas faire du favoritisme dans ce programme. Nous voulons développer notre pays et nous allons regarder de façon claire, transparente sur les documents qui vont être produits. Celui qui a la capacité nécessaire pour encadrer les équipes va le faire. Il y aura de la formation des formateurs. Nous faisons venir des experts qui vont les former sur la prise en charge des équipes à la base. Et c'est seulement une fois que cela est fini qu'ils sont déployés dans les communes. Pas, monsieur le ministre, on vous a vu recevoir un certain nombre de sportifs béninois de haut niveau qui sont expatriés. Sidney Govou tout récemment, Isabelle Yacoubou il y a quelques temps. Est-ce que c'est dans cette perspective-là que vous prenez ces contacts pour qu'une fois ces programmes installés, qu'on ait l'accompagnement, l'expertise des fils du Bénin qui ont fait leur preuve à l'extérieur? Ils ont professé, sinon des engagements, du moins un soutien à ces différentes réformes, ces programmes que vous annoncez. Absolument, absolument. J'ai reçu plusieurs de nos compatriotes. Il y en a que vous n'avez pas vu parce que nous n'avons pas médiatisé nos rendez-vous. Et puis, il y a également, au-delà de nos compatriotes, d'autres Africains qui sont intéressés. Vous verrez bientôt un sportif de renommée internationale venir au Bénin accompagner le programme. Il y en a plusieurs qui vont se succéder. Et puis, il y a que nous avons, avec l'autorisation du chef de l'État, effectué des missions dans certains pays pour demander clairement que l'expertise nous soit octroyée. Le chef de l'État lui-même a conduit certaines discussions avec certains pays comme l'Allemagne, comme le Brésil, où nous avons demandé que des experts de haut niveau soient mis à la disposition du Bénin pour
encadrer, former les formateurs. N'oubliez pas qu'il y a quelques années au Bénin, nous avons connu un monsieur qui s'appelait Peter Schniger, qui a formé des générations de footballeurs. Et parce que ce monsieur a fait du travail, nous avons eu pendant longtemps des équipes en catégorie d'âge qui étaient compétitives. Le Bénin, il y a quelques années, avait une très bonne équipe nationale cadette. Tout à fait. Aujourd'hui, les joueurs sont dans la rue. L'équipe senior que nous avons aujourd'hui, bon, elle est acceptable, elle est bien, on peut l'améliorer. Mais il faut savoir que nous n'avons plus dans notre pays une tradition aujourd'hui de génération en génération. Nous ne retrouvons plus nos enfants de nos quartiers dans nos équipes nationales. Et donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que l'expertise va venir de l'étranger, des partenaires techniques. L'expertise va venir de notre pays, celle inexploitée qui existe ici. Mm-hmm. Et nous allons déployer des personnes vraiment très bien formées sur un programme rigoureux. Et je peux vous dire que dans quelques mois, dans quelques années, le Bénin fera des merveilles au plan sportif. Vous avez besoin d'équipements pour la formation de voilà, ces talents qui sont détectés, des équipements sportifs oui, à la base dans les communes. Les infrastructures sportives. Mais avant d'évoquer les infrastructures sportives, monsieur le ministre, outre les classes sportives et bien entendu les associations, il y a l'idée des académies. Alors, absolument. Alors, vous voyez, nous sommes partis d'abord du milieu scolaire. Nous avons dit, nous remettons nos enfants qui sont dans les collèges et lycées au sport. Ensuite, nous avons dit, à part ceux qui sont à l'école, il y a dans nos communes tous les autres qui ont du potentiel dans plusieurs disciplines que nous organisons, que nous mettons dans deux catégories, plus de 20 ans et moins de 20 ans. Tout cela va être animé par des compétitions. Alors, quand nous prenons le résultat de l'ensemble de ces compétitions, nous avons la victoire de telle équipe sur telle équipe, mais nous avons aussi des talents qui se révèlent. Qui émergent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de ces talents-là? Nous avons estimé que si nous les abandonnons à ce niveau, le projet ne sera pas allé à son terme. Et donc, nous avons imaginé qu'au-delà des classes sportives et des associations sportives communales, il y aurait donc les académies départementales. Ces académies vont être le lieu où se regroupe l'excellence, c'est-à-dire les meilleurs talents détectés à l'issue des compétitions, à la fois des classes sportives et surtout des associations sportives communales. Lorsque nous organisons, par exemple, à l'intérieur d'un département, des compétitions entre les communes, après avoir formé les sportifs sur un temps donné, il y a que l'équipe championne peut être l'équipe du meilleur attaquant et pas du meilleur défenseur. Tout à fait. Et donc, comment faisons-nous pour ne pas perdre le meilleur défenseur et ne pas laisser de côté des talents qui auraient pu constituer une bonne pépinière pour nos équipes nationales plus tard? Donc, nous avons dit, oui, il y aura le championnat des champions, c'est-à-dire que les 12 équipes championnes par catégorie, par discipline, dans chaque département vont s'affronter, mais il y aura la sélection des meilleurs joueurs au cours des compétitions et ce sont ces meilleurs-là qui vont constituer les promotions des académies départementales. Alors, ces académies, évidemment, devront nécessiter que nous mettions en place également des infrastructures. Et d'ailleurs, même le programme communal nécessite que nous mettions des infrastructures. C'est pour ça que dans le projet, le programme d'action du gouvernement dans le secteur des sports, l'autre élément que vous avez évoqué, c'est la question des infrastructures. Quand vous faites le point aujourd'hui, notre pays n'est pas doté d'infrastructures aux normes. Il faut le reconnaître. Je n'ai pas honte de dire aujourd'hui ce qui est vrai. Et je dis toujours que quand on veut gouverner, il faut avoir l'humilité de se mirer. Il faut avoir l'humilité de savoir où on est pour pouvoir avancer. Le Bénin n'a pas d'infrastructure sportive. Vous voyez dans quel état sont même nos infrastructures de type national. Aujourd'hui, nous allons réfectionner, grâce à la coopération chinoise, le stade de l'amitié de Kourou. Le président de la République a souhaité également que nous puissions transformer cet espace. Et donc, aujourd'hui, on va avoir sur l'ensemble de ce site une zone sportive et une autre zone où nous allons refaire une salle de spectacle, un zénith, refaire un mall et un certain nombre de choses que je conduis avec le président lui-même et le ministre en charge de cadre de vie. Ça va être le premier mall au Bénin. Mais au-delà de ça, nous avons déployé un programme qui nécessite que dans chaque zone géographique, il y ait des infrastructures aux normes. Vous savez, en matière d'infrastructures sportives, ce qui coûte cher, c'est le béton. Les aires de jeu sont des mêmes dimensions et c'est en fonction de la capacité de la tribune que le stade peut coûter cher ou moins cher. Et donc, nous avons dit, au lieu d'investir dans des infrastructures immenses, gigantesques, nous préférons utiliser les ressources de façon rationnelle et doter chaque commune d'une infrastructure sportive aux normes. Ça peut paraître ambitieux,
Mais nous allons le faire, étape par étape. On aura 12 stades. Nous aurons un stade par commune au nord. Wow. Et c'est un stade qui est dimensionné de sorte à avoir en son sein une aire de jeu de football entourée d'une piste d'athlétisme, des aires de jeu pour les sports de main et une tribune d'une capacité de 1 000 à 3 000 places. Nous avons réduit cela parce que nous considérons qu'aujourd'hui, le challenge pour nous est de faire en sorte qu'au bout du quinquennat, dans chaque commune du Bénin, les gens puissent avoir des infrastructures pour aller exprimer leurs talents. Quand nous aurons fini cela, le Bénin pourra repartir sur les infrastructures d'envergure nationale qui coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Et donc, ce programme de construction d'infrastructures, c'est d'abord l'ensemble des communes. Ensuite, aujourd'hui, nous allons démarrer les classes sportives avec les infrastructures existantes, mais il faudra également à ce niveau-là améliorer les infrastructures qui sont dans nos communes, dans nos quartiers. Et enfin, les académies vont être des infrastructures d'une envergure un peu plus importante. Parce que dans les académies, au-delà des aires de jeu, il va y avoir des blocs, un bloc donc médical pour abriter une infirmerie, pour soigner les joueurs, un bloc qui va servir de réfectoire pour que les joueurs puissent manger, et puis un dortoir. Et je veux préciser que par rapport à ce programme, ce sera donc une académie par département, c'est 12 académies départementales, une académie par département. Et l'académie du littoral va être l'académie nationale. Et dans cette académie, nous allons mettre le quartier général de notre équipe nationale. Ça veut dire quoi? Que désormais, les équipes nationales du Bénin n'iront plus à l'hôtel. Elles auront, comme dans certains pays qui se respectent, un cadre où elles pourront conduire leur mise au vert. Alors, dans Monsieur le ministre, on pourrait donc assimiler cette Académie nationale à notre Clairefontaine pour faire la comparaison avec la France sans être… Oui, ce sera, si vous le souhaitez, notre Clairefontaine. Je n'ai pas voulu employer cette expression, mais c'est vraiment dans cet esprit-là. Et il sera en plein Cotonou et nous allons y faire de la formation de formateurs. Nous allons y faire de la mise au vert de nos différentes équipes. Lorsque l'ensemble des promotions qui sont dans les 12 académies départementales seront par exemple invités à constituer des équipes nationales, cadettes, juniors ou même seniors, nous allons les héberger, si elles ont besoin d'être regroupées à Cotonou, les héberger dans ce centre. Et quand notre équipe A va rentrer pour sa préparation, elle pourra être logée sur ce site-là et donc mise au vert. Il y aura des journées portes ouvertes pour que les gens puissent aller les voir au cours de leurs entraînements. Mais nous voulons vraiment faire en sorte que ce réceptacle soit le temple de nos équipes nationales. Si un karatéka est présélectionné au plan national que nous préparons les Jeux olympiques, nous allons l'interner à ce niveau-là. Si un athlète, si un handballeur, un boxeur, peu importe, c'est dans ce site que nous allons les mettre pour les préparer à affronter les compétitions internationales. Alors, parlant toujours des infrastructures, on est bien tenté de revenir sur les infrastructures d'envergure nationale, puisque sans elles, on ne peut pas exposer le produit sportif béninois à l'international. Et là-dessus, vous avez évoqué tantôt cette réhabilitation du stade de l'Amitié. C'est là également un vaste projet dont les Béninois veulent en savoir plus. Ce que je peux dire à mes compatriotes, c'est que le stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou va être réfectionné par les Chinois qui sont en accord avec le Bénin depuis très longtemps sur ce genre d'infrastructure. Et j'ai dit tout à l'heure que nous allons optimiser l'utilisation de l'espace. Il y a aujourd'hui au stade beaucoup d'espace qui ne sert à rien. Vous avez la piscine qui n'est plus fonctionnel, vous avez le palais des sports qui est totalement en dégradation. Nous avons décidé de le raser et d'implanter en lieu et place du palais des sports une salle de spectacle moderne de 7000 places. C'est un projet cher au président de la République. Et donc, nous allons avoir désormais, en arrivant à Kourounou, deux zones. Une fois encore, la zone sportive à votre droite avec toutes les infrastructures qui sont rattrapées. Terrain de tennis, terrain de sport de main, terrain de football, piscine, etc. Et puis à gauche, vous allez avoir une salle de spectacle qui va remplacer le palais des sports et vous allez avoir un mall. Et puis nous allons faire mieux. Nous irons également au Hall des Arts. Parce que vous le savez très bien, le Hall des Arts, loisirs et sport, est supposé être une aire de jeu de sport de main fermée et couverte. Nous allons réhabiliter le Hall des Arts. Et nous allons créer autour du Hall des Arts ce que j'appelle une zone sportive
en milieu urbain. Vous allez avoir à ce niveau-là de quoi permettre à tous les pratiquants de sport demain de venir jouer. Ça va être une zone sportive en plein Cotonou. Il y en a d'autres que nous allons faire un peu autour de la zone de l'aéroport et puis dans le pays, dans l'intérieur de l'ensemble des communes, nous allons également mettre des zones sportives. Et le stade de René Pleven sera, je veux l'annoncer à mes concitoyens, l'endroit où nous mettrons l'Académie du littoral. Un scoop pour reprendre l'expression du milieu journalistique. Je crois, monsieur le ministre, dans cette veine, le Bénin aura certainement son premier gymnase. Oui, le Bénin aura son premier gymnase. Je vois que vous êtes très bien informé. Vous savez, je ne veux pas non plus finir cette émission et donner l'impression à mes compatriotes que je suis venu annoncer des choses. C'est pour ça que, fidèle à la politique du gouvernement qui consiste à agir sans faire beaucoup de bruit, je me suis gardé de donner un certain nombre de détails. Mais le Bénin va avoir effectivement un gymnase en bonne et due forme. Le Bénin va avoir un boulodrome. Nous sommes vice-champions du monde de pétanque. On n'est pas fiers de dire que nous n'avons même pas un seul boulodrome au Bénin. Donc le Bénin va avoir un boulodrome. Je ne veux pas en dire plus. Mais vous savez, vous dire sans trahir aucun secret, Monsieur le ministre, on a vu en peu de temps, vous avez apporté entre guillemets une sorte de chance à nos sports et on apprend que vous nourrissez l'ambition de voir le Bénin, pourquoi pas abriter un championnat du monde de pétanque. Oui, je suis candidat, j'en parle avec un certain nombre d'acteurs, le chef de l'État lui-même est favorable à cela. Je souhaite que le Bénin abrite en 2018 le championnat du monde de pétanque. Je souhaite que le Bénin recommence à abriter des compétitions internationales de handball, comme c'était le cas il y a quelques années. Et puis, je l'ai dit brièvement il y a quelques mois, mais je reviens là-dessus, je vais, avant de partir, déposer la candidature du Bénin, si ce n'est déjà fait, pour abriter une Coupe d'Afrique des Nations. N'oubliez pas que nous avons abrité la CAN junior dans notre pays. En 2005. Et donc nous souhaitons que le Bénin abrite une Coupe d'Afrique des Nations senior. Nous sommes en train d'y travailler. Nous avons déjà informé les autorités de la CAF et de la FIFA. Mais tout ça nécessite que nous travaillions assez vite, que nous construisions nos infrastructures. Le Bénin sera en mesure, je vous le dis, à l'horizon 2020, de dire qu'elle est une nation sportive. C'est un challenge que nous avons avec l'ensemble du gouvernement et le président de la République lui-même. Je dois dire, vous avez pu le constater, que nous avons beaucoup de chance. Le président est un passionné de sport. Il est allé au stade, vous avez vu, autant de fois. Il n'hésite pas lui-même à s'impliquer. Vous avez vu que même quand j'étais absent, parce qu'en mission pour l'ouverture des Jeux Olympiques de Rio, il est allé quand même assister au match des cadets contre la Côte d'Ivoire. Oui. Et donc, l'ensemble de mes collègues et aînés, membres du gouvernement, adorent le sport. L'ensemble des ministres s'impliquent. Beaucoup, parmi eux, veulent savoir dans les détails comment est-ce que le programme est conduit, quelle est la feuille de route. Franchement, j'en suis heureux. C'est les avantages quand on est le plus jeune. Mais je veux dire que le gouvernement, de façon globale, est vraiment engagé pour que les talents sportifs béninois puissent reprendre le dessus dans la sous-région. Et nous allons y arriver. Ce n'est pas étonnant. Si le chef de l'État était passionné de foot, le compétiteur né, ce serait quand même étonnant que ce ne soit pas le cas. Venant du compétiteur né à bon nom, pour ne pas reprendre la fameuse expression. Dites-nous, très sérieusement, tous les projets que vous avez annoncés, c'est beaucoup d'investissements qui doivent suivre. Est-ce que tout ça s'est bouclé? Est-ce que vous promettez la livraison de tous ces projets ambitieux avant 2021? Ou plus tard 2021. Vous savez, on ne peut pas avoir été dans le rôle qui a été le mien il y a quelques années. Il ne faut pas oublier que j'étais de ceux qui proposaient une façon nouvelle de diriger notre pays. On ne peut pas avoir été dans ce rôle et venir face aux Béninois dire ce qu'on n'est pas en mesure de faire. C'est vrai que la mobilisation des ressources de façon globale ne va pas au même rythme que les ambitions. Mais la gouvernance, c'est aussi ça. C'est aussi prévoir des choses, les planifier, se donner les moyens d'y arriver et faire le point. Je voudrais vous rappeler que le président de la République a quand même lancé un défi majeur.
Le 16 décembre, lorsque nous avons présenté le PAG, dans son mot de conclusion, il a dit « Mes collaborateurs et moi, mon équipe et moi, mon gouvernement et moi, ne vous présentons pas ce programme pour que vous soyez solidaires avec nous des échecs. » Je le paraphrase. Il a dit « Nous vous présentons ce programme pour que vous puissiez nous juger là-dessus. » C'est quand même assez courageux de dire à la face du monde « Voici ce que nous allons faire dans les détails. » Et nous nous exposons, nous nous présentons à vous, nous vous le donnons dans les détails, pas pour que vous puissiez dire « c'est difficile, vous ne pourrez pas » et que vous puissiez compatir au cas où nous n'allons pas le réaliser, mais que vous puissiez dire « vous avez prévu ceci et voici ce que vous avez fait ». C'est un gros pari. Hein. C'est un gros pari et nous sommes, en tant qu'équipe gouvernementale, tout à fait solidaires de ce pari qui a été pris par notre chef. Et nous sommes également convaincus de ce que, même si la mobilisation des ressources pourrait ne pas aller au même rythme que nos ambitions, au bout du quinquennat, les Béninois pourront se dire qu'ils ont fait un choix, qu'il a peut-être été douloureux par moment, mais qu'ils ont fait le meilleur des choix. Nous n'allons pas trahir la confiance de nos compatriotes. En tout cas, en ce qui me concerne, il y a des indicateurs de performance qui sont clairs, que je veux mettre en œuvre et je me soumettrai volontiers à l'évaluation de mes concitoyens. C'est une prescription gouvernementale. Nous sommes là pour faire le travail et pour être jugés par nos compatriotes, pour faire le point. Nous sommes au service de notre pays. Moi, je dis que vous pouvez interroger les sportifs sur le temps que nous avons passé aujourd'hui. Ils vous diront eux-mêmes ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Et dans quelques temps, vous pourrez également dire quel est le bilan qui a été fait. Je finirai mon programme. Je construirai les infrastructures. Je vais créer les associations sportives, nous allons créer les 80 classes sportives, nous allons créer les 93 associations sportives, nous allons mettre les 12 académies départementales et sur les infrastructures, nous mettrons le maximum. Alors, ce qui nous amène, Ozias Sounouvou, à parler des premières actions, puisqu'on l'a dit, la plus longue course commence par les premières foulées. Et les deux premières foulées, c'est le lancement, vous l'avez dit, donc, des classes sportives et des associations sportives. C'est important de revenir là-dessus, puisque on sait que c'est le début d'une longue aventure. Oui, c'est vrai, c'est le début d'une longue aventure. De façon globale, nos concitoyens se posent des questions. Vous savez que depuis le 16 décembre, tout le peuple béninois s'est mis à rêver. Et chacun attend de voir si effectivement le gouvernement va entrer dans la mise en œuvre des programmes. Le secteur des sports n'échappe pas à cette réalité-là. Notez au passage qu'une des preuves que ce gouvernement souhaite vraiment investir dans le sport, c'est le budget 2017. Vous savez que depuis que le Bénin est Bénin, pour utiliser une expression terre à terre, en tout cas depuis 1960, jamais le ministère des Sports n'a excédé ce niveau de budget. On a toujours été autour de 7 milliards. Et pour la première fois, en 2017, le budget est de 18 milliards. Donc 12 milliards de PIP et 6 milliards de fonctionnement. C'est déjà un signe important pour dire que ce gouvernement est conscient des enjeux et souhaite se donner les moyens d'y arriver. Ensuite, il faut aussi savoir que les réformes que nous avons annoncées, par exemple la loi sur le financement des sports, l'organisation même du sport, comment est-ce que nous structurons le secteur privé? Vous savez que sur l'année 2017, il y a déjà, et c'est effectif, une défiscalisation intégrale des salaires et des investissements sportifs. C'est une première étape, mais il est important d'en parler. Nous n'avons pas fait le choix, une fois encore, de faire de l'archimédiatisation autour de ce qui nous paraît basique. Si vous donnez des conditions au secteur privé pour l'encourager à financer du sport, vous n'en êtes pas exceptionnellement fier au point de venir en parler à la télé, mais c'est déjà dans la loi des finances 2017. Aucun investissement, aucun salaire sportif n'est frappé de la moindre taxe au Bénin. La prochaine étape pour nous sera les sociétés sportives. Vous voyez, je ne veux pas faire de fixation sur des cas, mais vous voyez, les clubs dans les autres pays appartiennent à des entreprises. On entend par exemple qu'un club de la capitale française appartient à des Qataris. Mmh. Tout à fait. Et on se demande comment cela est possible. En réalité, le mécanisme existe et consiste à créer ce qu'on appelle des sociétés sportives. Par ces sociétés sportives, une entreprise X peut décider de prendre en charge l'association sportive de Cotonou, football. Et cette entreprise s'entend avec ceux qui sont les responsables de l'association sur la part qu'elle prend dedans, signe le contrat avec les critères qui sont bien définis et finance la vie
de cette association sportive-là. Et c'est à partir de ce moment que vous avez de la compétition de bon niveau au niveau des entreprises, donc du secteur privé. Mais pour le faire, il faut structurer le cadre réglementaire. Nous n'avons pas au Bénin une loi sur le financement du sport. Même la charte nationale des sports est actualisée, nous sommes en train de faire. La politique nationale des sports, il faut la relire, elle est déjà caduque. Et nous allons introduire bientôt à l'Assemblée nationale une loi sur l'organisation et le financement du sport. C'est inscrit dans les réformes du programme d'action du gouvernement. Et cette loi va nous permettre de structurer de façon définitive l'implication du secteur privé dans le financement du sport au profit des clubs, des associations et aussi des fédérations sportives. Alors on se dit, monsieur le ministre, les classes sportives qui seront lancées la semaine prochaine, cela se fera de façon itinérante, on s'imagine. On commence où, ensuite on va dans quel autre département, parce que là ce serait intéressant que les Béninois aient une traçabilité par rapport à ce premier groupe projet qui va être opérationnel. Nous n'allons pas manquer d'associer la presse sportive surtout et la presse nationale et même internationale à la mise en œuvre du programme. Mais une fois encore, nous avons pris le soin de régler ce qui nous paraît être essentiel avant de démarrer. Vous savez, il y a plusieurs approches quand on veut gouverner un pays. Il y a une approche de spectacle qui consiste à poser des premières pierres. J'ai annoncé des chantiers. Si je voulais, avec le gouvernement et l'ensemble de mes collègues, opter pour ce que j'appelle le show, le spectacle, qui, je comprends, manque parfois aux Béninois, nous aurions pu faire le tour avec les caméras. Vous seriez venu, William Bassabi, Ozia Sounoubou, et nous serons allés partout, nous aurons posé des premières pierres. J'aurais fini mon programme en termes de pierres posées. Mais nous ne voulons pas mentir à nos compatriotes. Nous disons que le Bénin est un grand pays, que nous voulons le révéler à l'univers entier. Nous disons que les Béninois sont talentueux, que nous voulons les révéler à eux-mêmes, leur prouver qu'ils ont un talent, ils ont un génie, et montrer que dans la sous-région, partout, nous sommes forts, nous sommes puissants. Pour le faire, il y a des sacrifices, il y a des choses à faire, et nous ne voulons pas faire de la publicité autour de cela. Moi, je ne voudrais pas, personnellement, prendre des caméras, faire le tour des 12 départements en disant « Voilà, j'ai lancé un programme, telle classe sportive, telle ou telle. » Nous allons quand même faire un minimum. Nous n'allons pas cacher non plus ce que nous faisons. Ah oui, parce que vous avez l'obligation de reddition de comptes et d'éclairer ceux qui vous ont élu sur votre feuille de route pour qu'on sache exactement ce que vous faites et où est-ce que vous voulez véritablement aller. Bon. Oui, nous allons le faire, mais croyez-moi… Je ne vous fais pas le reproche de ne pas non, vous mettre non, bien en spectacle. Non, bien sûr, nous allons le faire, nous allons le faire, mais croyez-moi, ce n'est pas notre façon de faire. Je vais vous dire pourquoi, l'une des raisons pour lesquelles nous hésitons à faire ce genre de choses. Les actions que nous entreprenons, l'ensemble du PAG, c'est à la faveur, au bénéfice des concitoyens, des Béninois, qui sont dans les communes, qui veulent voir les actions agir sur leur quotidien. Mm-hmm. Et les impacter. Quoi. Ce n'est pas parce qu'ils auront vu un reportage à la télé qu'ils se sentiront heureux, qu'ils sont fiers de leur gouvernement. C'est parce qu'ils sauront que désormais ils ont accès aux soins de santé sans problème, parce qu'ils peuvent aller à l'école dans de bonnes conditions, parce qu'ils vivent mieux, parce qu'ils font une campagne cotonnière où ils gagnent beaucoup d'argent, parce que les équipes vont exister, parce que tous les week-ends, il va y avoir du football, du basket, du handball, de l'athlétisme, du volleyball, parce qu'ils vont voir leurs enfants jouer, qu'ils vont se dire que le ministère des Sports et le gouvernement travaillent. Et donc, nous allons le faire quand même par courtoisie, nous allons quand même informer les médias de ce que nous faisons. Nous allons certainement lancer le programme des classes sportives. Si vous ne le faites pas, on va vous titiller. Oui, c'est sûr. Nous allons quand même le faire, mais nous n'allons pas prendre une caméra et faire le tour des 80 classes sportives pour dire « Nous avons lancé Godomé ce matin, nous lançons Calavi à 16h, nous lançons Boyekon à 11h le lendemain. » Ce ne sera pas nécessaire. Ce qui compte pour nous, c'est que les populations à la base sachent, et ces populations feront le témoignage. Ce sont elles qui ont élu le chef de l'État. Les ministres sont délégataires du pouvoir du président de la République. Le président de la République a une politique gouvernementale qui a été présentée. Nous voulons mettre cette politique en œuvre pour le bonheur de nos concitoyens. Nous verrons comment médiatiser, mais une fois encore, l'action et pas le spectacle. Alors, monsieur le ministre, on s'aperçoit qu'on a pratiquement épluché tous les grands axes.
du programme d'action du gouvernement en termes de projets dans le secteur du sport sous votre houlette. On a parlé des classes sportives, des associations sportives, on a parlé des académies sportives, on a parlé des infrastructures, on a parlé des chaînes de sport. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit ? Il y a deux choses que nous n'avons pas dites. Nous n'avons pas parlé des bourses sportives. Nous avons décidé de promouvoir l'excellence en matière de sport au Bénin et nous instituons à partir de cette année 2017 un programme de bourses sportives. Des bourses vont être octroyées donc à nos meilleurs champions pour se préparer dans les centres qui sont accrédités de renommée internationale. Et surtout, cela concernera les sportifs qui, selon nous, ont déjà un certain talent et qui ont besoin d'être encadrés par des formateurs qui ne sont pas dans notre pays ou dans des centres dont nous ne disposons pas encore. Les bénéficiaires de ces bourses-là pour l'édition 2017 seront connus au cours de la soirée de gala que nous organisons bientôt. La soirée de récompense des sportifs sera une soirée où nous récompensons ceux qui ont obtenu des médailles. Cette fois-ci, la base est claire. Nous récompensons ceux qui ont obtenu des médailles au cours de l'année précédente. Et ensuite, c'est au cours de cette même soirée que nous allons octroyer ces bourses. Je veux garder pour moi la surprise des bénéficiaires, mais ce sont des personnes qui sont connues de vous et qui ont besoin d'être encouragées par l'État. Alors, est-ce que, Monsieur le ministre, c'est une façon pour vous de préparer la prochaine Olympiade, les prochains Jeux olympiques de Tokyo avec ces bourses qui peuvent déboucher sur des performances dans le style de celle de Noélie Yarigo? Absolument, c'est le but. C'est vraiment de faire en sorte que, au-delà de ce que nous faisons au niveau national, nos meilleurs athlètes qui ont déjà le niveau nécessaire pour compétir au plan africain, au plan mondial, puissent aller dans des centres d'entraînement dignes de ce nom. Et c'est vraiment les Jeux olympiques que nous avons en ligne de mire. Nous avons une très bonne collaboration avec le Comité national olympique sur ce genre d'action. Et je crois que vous connaîtrez les heureux bénéficiaires, mais c'est une tradition que nous instituons désormais. Chaque année, il y aura des personnes qui bénéficient de cela. Alors, l'autre chose que nous n'avons pas dite, vous avez insisté sur la médiatisation, vous avez insisté sur le besoin de montrer ce que nous faisons. Nous voulons créer au Bénin une chaîne essentiellement dédiée au sport béninois. Vous savez, nous avons déjà sous la tutelle du ministère des Sports une chaîne de radio et une chaîne de télé, Ado FM, Ado TV, qui à l'origine était donc lancée en collaboration avec le FNUAP pour éduquer les jeunes, les adolescents sur le comportement en matière sexuelle, etc. Et nous avons observé que, bien que la chaîne soit bien connue de tout le monde, l'audience n'est pas tout à fait à la hauteur de ce que nous espérions. Et donc nous avons proposé à nos partenaires de FNUAP de transformer la chaîne de sorte à ce qu'elle redevienne au Bénin la chaîne des jeunes. Et nous avons observé que les jeunes sont aujourd'hui attirés par le sport. Quand il y a un derby PSG-Barça, j'ai vu combien de Béninois étaient concentrés sur ce genre de match. Nous avons vu, par exemple, avec quel engouement les Béninois supportent les équipes qui sont à des milliers de kilomètres. Il y a même des groupes qui se créent, il y a des supporters qui jouent au tam-tam ici pendant que les gens jouent à la télé. Et donc, nous estimons que si nous faisons une chaîne sportive, ce serait une bonne chose. Il y a des expériences qui existent en Afrique. Une a été très concluante, je ne l'évoquerai pas. Mais il y en a une autre que nous pouvons conduire ici à partir du Bénin, le but étant de faire en sorte que tout ce que nous faisons soit connu. Nous voulons mettre une chaîne de radio, une chaîne de télé essentiellement dédiée à la jeunesse et au sport. Et sur cette chaîne, il y aura tout ce qui concerne les jeunes béninois, il y aura tout ce qui concerne le sport béninois et accessoirement, évidemment, les loisirs dont nous avons également la charge. Ce serait tant mieux parce que cette chaîne nous permettra de vivre en direct, en live ou peut-être même en différé. En tout cas, l'essentiel, c'est de vivre les exploits de tous nos athlètes, toutes nos équipes à l'étranger. Parce que on n'a pas, moi, j'ai eu le déplaisir de ne pas admirer à la télévision l'exploit de nos boulistes qui ont été quand même vice-champions au monde. Absolument. Cette chaîne pourra régler ce problème et aussi, cette chaîne pourra vous permettre, Ozia Sounouvou, si vous êtes à Cotonou un week-end, de voir le match qui oppose Kandi à Malanville. Formidable. De voir le match qui oppose Ketua Ifayi. C'est vraiment ce que nous voulons faire. Une fois encore, Bénin révélé, c'est nous montrer à nous-mêmes que nous avons quelque chose à vendre. Et ensuite, le montrer à ceux qui sont à l'étranger. L'aura en 2018, cette chaîne ? Cette chaîne est déjà là. On l'aura en 2017. Le gouvernement a mis dans le budget 2017 600 millions donc pour la refonte de la chaîne.
Et cela va continuer l'année prochaine. Nous entrevoyons de le faire en partenariat avec le secteur privé, évidemment. Mais le plan de relance de la chaîne est déjà finalisé et validé. Une fois encore, nous allons nous exercer désormais à vous faire un point, peut-être tous les 3 mois, de ce que nous faisons. Mais c'est un chantier sur lequel nous sommes vraiment très avancés. Deux petites questions sur les bourses que vous vous apprêtez à donner aux meilleurs athlètes, aux athlètes les plus méritants. Je m'attendais aussi éventuellement à voir des bourses attribuées à ces pousses, à ces belles promesses de talent que vous allez détecter dans les communes, à qui vous allez peut-être octroyer des bourses sport-études. Non, c'est pas ça, ou la seule sélection non, vaut déjà non, alors, prise en charge? Non, il faut dire que ce sont deux dynamiques qui vont se croiser. La détection par les classes sportives, donc milieu scolaire, ou dans les communes par le programme association sportive communale, qui va conduire au programme académie départementale, peut à ce niveau-là également faire l'objet d'une bourse si nous voyons un talent, un génie qui sort du lot et qui a besoin d'être accompagné. Je veux aussi préciser que le programme des bourses ne concerne pas que ceux qui sont déjà accomplis. Il y a par exemple une jeune dame que vous connaîtrez qui est très très jeune, qui fait de la natation, qui est retenue, je ne dirai pas son nom, mais qui est retenue pour recevoir cette bourse parce qu'elle a déjà fait des exploits malgré son jeune âge. Donc, tout sportif béninois, résident au Bénin ou à l'étranger, qui fait des exploits qui sont pour nous au-delà de ce qui est commun et qui pourrait, avec un peu d'encadrement, conduire le Bénin sur le toit du monde quelque part dans une compétition, recevra ce soutien du gouvernement béninois. Les programmes dédiés à l'entrepreneuriat des jeunes abrités par votre ministère de tutelle jusque-là, je rappelle que votre ministère a été circonscrit au titre ministère des Sports et Absolument. Non de Jeunesse et Loisirs. Que deviennent ces programmes? Leur ancrage institutionnel bascule vers les ministères qui s'occupent, le ministère qui s'occupe désormais de l'entrepreneuriat des jeunes? Ça dépend de quel programme. Le programme de volontariat, par exemple, dont mon ministère a la charge, est un programme qui, sous sa forme la plus importante, consiste à recruter des jeunes béninois. Ils étaient 5700 jusqu'à ce que la promotion 2014 ne soit libérée. Ils sont autour de 2700 aujourd'hui. Et à les mettre à la disposition de la fonction publique, qui sont dans les services et autres. Nous avons dit que, une fois encore, notre option au niveau du gouvernement est de faire les choses pour le bonheur de nos concitoyens. Ce programme qui a été lancé dit qu'on prend un jeune sur la base d'une qualification qu'il a, qu'on l'affecte dans une institution, un service ou une administration de l'État, qu'on lui donne une rémunération et qu'au bout d'une période de 2 ans, on le sort et qu'on le renvoie chez lui à la maison. Pour nous, ce n'est pas ça la solution à la question de l'emploi. Et donc nous disons, si le même État, au moment où il a besoin de recruter, dit « je recrute du personnel » et ouvre cette compétition à tous les concitoyens, en oubliant qu'il a employé des personnes qui ont déjà 2 ans d'expérience. Et ça va être du gâchis. C'est du gâchis. Et donc nous avons dit, avec le chef de l'État qui est lui-même à l'origine de cette initiative, que désormais ce programme sera conduit conjointement par mon ministère et le ministère en charge de la fonction publique. Donc synergie et non plus… Synergie pour que tout jeune recruté soit utilisé convenablement. D'ailleurs, ça s'appelle jeune volontaire d'expertise professionnelle. Et que s'il y a une possibilité de l'insérer dans le milieu d'emploi, que cela puisse se faire de façon plus aisée. C'est vrai que beaucoup de jeunes m'interrogent souvent et demandent où est passée la dénomination jeunesse dans la dénomination actuelle du ministère des Sports. Je leur réponds souvent pour rigoler que la jeunesse est dans le corps du ministre. mais très sérieusement, la jeunesse est devenue pour nous une question transversale. Il ne faut pas dire qu'on confère à un seul ministère de s'occuper des jeunes, ce n'est pas réaliste. L'option du chef de l'État et de son gouvernement est de dire que l'ensemble des actions que nous adressons va concourir à l'épanouissement des jeunes, mais aussi des femmes, évidemment. Et donc,
que tous les ministères vont agir pour les jeunes. C'est pour ça que les questions d'entrepreneuriat vont être prises en charge par un ministère sectoriel en partenariat avec nous. C'est pour ça que les questions de formation vont être prises en charge avec les ministères de l'Éducation, de sorte à ce que l'action du gouvernement soit un peu plus, en tout cas, cohérente, et que les Béninois qui en bénéficient puissent vraiment savoir qu'ils ont désormais à la tête du Bénin des personnes qui veulent travailler avec méthode. Alors, Monsieur le ministre, nous sommes en train de sortir de ce forum. Le temps est en train de faire son effet. On a vraiment abordé à la fois des questions d'actualité, mais surtout le cœur même du programme d'action du gouvernement en termes de sport, en termes, bien sûr, de projets concrets, donc très bien déclinés. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos concitoyens qui vous suivent en ce moment? Comme on le dit, le dernier mot, c'est le dernier mot du chef qui rentre dans les oreilles pour reprendre voilà, une image de nos langues maternelles. Ce que je veux dire à nos concitoyens, c'est que nous avons décidé de reconstruire notre sport. Nous avons dans nos 77 communes des talents qui n'attendent que d'être révélés. Nous allons organiser et investir fortement dans notre sport. Nous avons dit que dans un premier temps, nous allons ramener le sport à l'école. Et donc, nous allons instituer 80 classes sportives dans des disciplines qui ont déjà été citées. Nous allons ensuite mettre des associations sportives dans toutes les communes. Et je veux remercier les conseils communaux pour leur adhésion à ce projet et dire à mes concitoyens des 77 communes que l'État va descendre à leur niveau pour leur donner des équipements, des encadreurs, et leur donner la chance d'avoir un creuset pour s'entraîner et révéler leurs talents. Les meilleurs talents seront dans les académies départementales et ces talents-là seront pris en charge de façon assidue. Nous souhaitons offrir à nos fédérations nationales, comme aux clubs internationaux, parce que la carrière d'un sportif peut être au pays ou à l'étranger, de la bonne graine du talent made in Benin, fabriqué au Bénin. Quelle fierté n'avons-nous pas quand nous voyons des Africains d'autres pays qui jouent dans les clubs étrangers? Nos cœurs battent pour les clubs étrangers parce que nous disons qu'il y a tel ou tel Africain qui y joue. Mon souhait est que nous puissions désormais célébrer nos propres concitoyens, nos propres talents sportifs. Nous avons dit que nous donnerons les moyens à nos sportifs d'exprimer leurs talents, nous allons le faire. Nous allons doter notre pays d'infrastructures sportives de sorte à ce que chacun, de là où il se trouve, puisse pratiquer le sport qu'il aime. Nous allons enfin faire en sorte que dans quelques années, nos équipes nationales, nos sportifs dans les disciplines individuelles ne soient plus des chanceux lorsqu'ils remportent une victoire. Qu'ils soient des sportifs dont le parcours est connu et qui enfin reçoivent des trophées qu'ils ont mérités à travers le travail. L'État va se mettre au service du peuple. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Sans publicité, sans mensonge, mais dans la sincérité, dans la méthode. Je voudrais remercier, pour finir, tous les acteurs, tous les sportifs du Bénin, remercier la presse sportive pour sa contribution qualitative à l'amélioration des conditions de vie de nos sportifs et prier, par la même occasion, tous les journalistes sportifs de sortir des débats qui ne nous avancent à rien, de cesser de prendre parti pour tel ou tel dirigeant, et de prendre parti pour les sportifs. Ceux qui nous font rêver sont ceux qui transpirent sur le terrain. Que les questions d'intérêt autour de nos équipes ne poussent pas ceux qui doivent montrer ce que font nos talentueux sportifs à prendre position pour les uns et les autres. Que cette guerre-là s'arrête et que nous puissions tous nous mettre au service de notre pays. Le ministère des Sports est un ministère sensible. Il était pendant longtemps relégué au second rang. Aujourd'hui, nous avons à la tête du pays un chef d'État qui comprend l'importance de ce secteur et qui l'a confié à quelqu'un qui l'appuie lui-même chaque jour. Je reçois le soutien de tous mes collègues et je veux dire aux Béninois que l'exploit est possible. Nous allons révéler le Bénin à nous-mêmes et nous allons le révéler au monde entier à travers le sport. Je vous remercie. Eh bien, William, une série de réformes pour donner des chances égales à toutes. À tous les sports du Bénin, pas moins de 5 grands projets phares sur les classes sportives, associations sportives, académies sportives, infrastructures sportives et puis chaînes de sport pour
révéler des talents au Bénin, mais en même temps pour transformer tout le visage d'espoir au Bénin, pour permettre au Bénin de rayonner à l'international. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter au jeune sportif Oswald Omeki, sous le coaching du compétiteur né. Voilà, qui est dit, mesdames, messieurs, nous voici alors à la fin de ce forum. On le répétera jamais assez, consacré au volet sport du programme d'action du gouvernement. L'invité, c'est bien sûr le ministre des Sports, Oswald Omeki. On aime à le répéter, le tout jeune ministre des Sports qui, vous l'avez suivi tout au long de ses interventions, se bat aux côtés du gouvernement pour révéler le sport béninois à la jeunesse et au monde. Et d'ailleurs, dès la semaine qui s'annonce, eh bien, c'est la mise dès en chantier, même, tout à fait, dès ce lundi, la mise en chantier des classes sportives et des associations sportives. Et prenez donc le pari, puisque 1200 emplois permanents sont en vue pour la jeunesse béninoise. Donc merci à toute l'équipe technique qui a travaillé dans l'ombre pour la réalisation de ce forum. Merci à vous, Ozia Sounou. C'était un énorme plaisir pour moi d'être à vos côtés. Vous avez été le catalyseur de ce forum. Merci à vous, monsieur le ministre, d'être venu, de s'être prêté à nos questions. Et merci surtout à nos chers téléspectateurs qui ont consacré leur temps pour suivre ce programme.